fut un honneur pour moi en tant que commissaire général de recevoir toute cette pléiade de journalistes venus des quatre coins du monde pour être la courroie de transmission de nos actions envers les différentes populations et à travers le monde. Merci à tous d'être là. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, et je vous dis que depuis 10 ans, chaque fois qu'il y a le FEMUA, le matin, c'est-à-dire le vendredi où les grandes scènes commencent, on fait l'état des lieux avec la présence de tous les artistes pour confirmer la présence de tout le monde. Et cette année encore, sur 14 artistes annoncés, il y a 15 qui sont présents. Voilà. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Vous voyez autour de moi, je suis content, c'est différents styles musicaux, différentes générations, différents horizons. C'est ça aussi le FEMUA, c'est une plateforme qui permet de se rencontrer, d'échanger, de partager. Donc nous avons les Dobink venus de la France, Bila Kakoura venu du Burkina Faso, mon très cher frère Soprano venu de Marseille, il ne dirait pas France, il aime Marseille et la France. Lukwa Kanza qui est venu de la France mais au nord de la RDC, Dobé Niaouré, il dit toujours que je suis jaloux d'elle parce que la petite sœur est la seule en Côte d'Ivoire à avoir un Grammy Award. Il faut qu'on se batte pour l'avoir aussi. Voilà. Elle est là, on est content de l'avoir auprès de nous. La vieille mère, la tigresse Sidonie, elle est là et c'est elle qui a la lourde tâche d'ouvrir le FEMUA or. Et juste à côté d'elle, j'ai le vieux père Luxor Pablo pour dire que toutes les tendances sont invitées au FEMUA cette année. Mais avant tout, je voudrais aussi vous dire que tout à l'heure à Mulambo, à partir de 15h, va s'ouvrir la scène des artistes émergents. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'artistes en herbe. En Afrique, il n'y a plus d'artistes en herbe. L'herbe, c'est pour les moutons. C'est des artistes émergents qui vont s'exprimer tout à l'heure du côté d'Anoumambo, de 15h à 20h, venus de partout. Je vois Nabaloum qui est assise dans la salle, qui a ébloui l'Institut français. Voilà, il y aura les Zouglou Makers, il y aura Jérémie qui est venu du Canada, il y aura Succès Nemi qui est venu du Congo, donc il y aura tout le monde. Là-bas aussi, c'est international, la scène des artistes émergents. Voilà. Donc c'est un moment introductif, il a été long, mais c'est mes émotions qui m'amènent à être aussi long.